Les joutes amoureuses se veulent elles aussi inspiratrices de danse. Garçons et filles rivalisent d'adresse dans cette danse des bâtons. De se faire plus précise, des lamelles de bambou ponctuent les pas des danseurs. Cependant, les éléments interviennent aussi dans les thèmes chorégraphiques khmer. En présence ici, Mekala, une nymphe, et Ramasur, un génie. Possession d'une gemme, les danseurs vont s'affronter. Mais la gemme faite de rosée est magique. Malheur à qui est frappé par son éclat. Ramasur lance une hache qui rebondit au lointain. Mekala aveugle le génie en un éclair. Et si, brutal, un orage se déchaîne dans le ciel du Cambodge, il se trouvera toujours quelqu'un pour affirmer qu'il s'agit là d'un nouvel épisode de l'éternelle poursuite. Les éclairs viennent de la gemme de Mekala, le tonnerre de la hache de Ramasur.
chasse, quant à elle, demande une danse propitiatoire. La voici, autour d'une jarre d'alcool de riz. De nos jours classiques, que nous placerons la conclusion de ces images évocatrices du sourire et de la joie de vivre du Cambodge. Thank you.
Les danseuses se sont regroupées et en une invite solennelle, elles vous adressent l'hommage de leur salut.